Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, la paix bon Dieu avec nous toutes. Nous t'avons parlé, non, de saint, pour nous la prier, saint pour nous invoquer, le timounio de malade. Le orgueil timoun malade, ou capable de la prier pour lui, sainte Clotilde. L'Église fêtait Sainte Clotilde le 3 juin. Sainte Clotilde, les vives, était faite en l'année 474 et puis les mourir en l'année 545. C'était petite fille, yon wa yoele Chilperica, épouse de Covis. Petite, il était gagné Sainte Clotilde, il était gagné un petit gelé Clodomir, qui était très, très malade, et puis il jouait une guérison miraculeusement. Et c'est le ça, c'est peut-être ça, avant de mourir, il était, il a toujours la prière pour tout le monde qui est malade. Et effectivement, tout le monde qui invoquait Sainte Clotilde avec la foi pour petit yo qui est malade, Sainte Clotilde, la prière mon Dieu pour yo, et Timounio, yo joine guérison. L'autre saint nous capable invoquer la prière pour les nourrissons, petit bébé qui n'en l'est toujours, les nourrissons, c'est Saint Marcel. Saint Marcel, c'était évêque dans la ville Paris. Saint Marcel, l'église fêtait le 1er novembre, et Saint Marcel, il est mort en l'année 436. L'autre saint nous capable invoquer toujours pour Timounio, c'est Saint Jean-Baptiste. Le Timounio, il y a des convulsions ou bien il y a une maladie grave qui est capable de quitter des séquelles.